jour de Noël de l'an 1560. Nous traversons le dernier défilé des Andes. À nos pieds, pour la première fois, nous voyons la jungle. Ce matin, j'ai dit la messe, et puis nous avons commencé notre descente dans les nuages. Faire descendre ce fleuve aux hommes. Et moi, je dis que c'est possible. C'est que j'ai raison. Je sais que vous avez tort.
C'est une erreur que d'avoir arraché les esclaves indiens à leurs montagnes. Le changement de climat les tue les uns après les autres, et nous n'avons pas même le temps de leur donner une sépulture chrétienne. Ne vous arrêtez pas. Avancez, fils de chien. Continuez à marcher. Nous risquons de nous enliser dans la boue. On vous dit d'avancer, pas de vous arrêter. Le dernier jour de l'année est arrivé, nous sommes complètement épuisés. Nous avons installé notre camp près du fleuve. Nous ne pouvons plus continuer ainsi. Nos rations sont presque épuisées. Le terrain devient si difficile que chaque pas est un effort inutile. Nous n'avons aucun espoir d'atteindre une région peuplée avant longtemps. J'ai longuement réfléchi à la situation dans laquelle vous et moi nous nous trouvons. Et j'ai arrêté un nouveau plan. Je vais vous l'exposer. Nous allons construire des radeaux sur lesquels 40 hommes vont s'embarquer. Ils auront pour mission de trouver des vivres et d'essayer de nous rapporter un maximum d'indications qui nous permettront de savoir avec précision où est Eldorado et où sont les Indiens hostiles. Et j'ai toutes les raisons de penser que nous ne sommes loin ni de l'un ni des autres. Cette expédition devra être de retour ici dans une semaine. Par le fleuve ou par la terre. Si au délai fixé, elle n'est pas revenue, nous devrons considérer qu'elle a échoué. Et il ne nous restera qu'à retrouver nos propres traces, dans l'espoir qu'elles nous ramèneront vers une région gouvernée par nos frères chrétiens. Mais nous savons que nous n'avons rien à redouter aussi longtemps que la Vierge Marie est avec nous. Après avoir bien considéré ce problème, j'ai décidé de désigner à la tête de cette expédition un homme capable de commander, Don Pedro de Ursua. Sa fiancée, Doña Inés de Agenta, l'accompagnera. Ceci est une décision que je prends à contre-cœur, mais Doña Inés m'a présenté sa requête avec tant de chaleur et avec tant de détermination que je n'ai pu qu'y accéder. Le second de cette expédition sera Don Lope de Aguirre, l'homme qui me paraît le mieux qualifié pour cette responsabilité. Sa fille Flores l'accompagnera. C'est également une décision que je prends à contre-cœur. Car je considère qu'elle n'aurait jamais dû quitter le couvent où elle vivait sous la protection de nos saintes sœurs. Comme dans toutes les expéditions, la parole de Dieu doit être apportée aux païens. Je charge donc de cette mission
Fra Gaspard de Carvara. Les 200 esclaves indiens resteront en arrière avec moi. La maison royale de Castille sera représentée par le très noble et très brave Don Fernando de Guzman, qui fit preuve d'un grand courage, voilà 10 ans, en prenant d'assaut la forteresse de Sacsayhuaman. L'expédition sera complétée par les plus valeureux et les plus qualifiés d'entre vous. J'ai précisé tout ceci dans un document manuscrit qui devra être transmis au Conseil des Indes pour approbation. En foi de quoi, j'appose ici ma signature. Quatre jours plus tard, le 4 janvier, nous commençons notre voyage. Que Dieu soit avec nous. Attention sur l'autre radeau, le courant devient plus rapide. Restez au milieu du fleuve. Satané rapide. Ils sont pris dans les remous. Ils vont se fracasser contre les rochers. Oh, trop rapide. Construis. Faites quelque chose. Retournez au milieu du fleuve. Servez-vous de vos lances pour vous éloigner des rochers. Revenez au milieu. Éloignez-vous. Éloignez-vous des rochers! Allez vers la droite! Si janvier, nous avons réussi à atteindre le rivage où nous allons camper. Un de nos radeaux est pris dans des remous de l'autre côté du fleuve.
Nous n'entendons pas ce que crient les hommes sur ce radeau. Nous ne pouvons pas leur venir en aide. Combien sont-ils sur ce radeau? 7 plus 2 Indiens. Nous devons tout tenter pour venir en aide à ces malheureux. Ne soyez pas ridicule. Je ne risquerai pas la vie de mes hommes. C'est encore moi qui donne les ordres. Encore, oui. Nous avons besoin de longues cordes et de quelques crochets. Alors nous n'aurons qu'à descendre le long du fleuve. Et j'espère que nous trouverons un moyen de traverser et de leur sauver la vie. Va demander qu'on prépare tout ce qu'il te faut. Il n'y a pas de temps à perdre. Réussi à atteindre l'autre rive. Avec tous ces remous, ces malheureux doivent être malades comme des chiens. Qu'est-ce que c'est? On dirait des coups de feu. Il doit sans doute s'agir d'un genre de signal. Et un signal de guerre. Sur le radeau, qui est devenu le 7e, et où sont les rameurs? Je trouve cela bien étrange. Tiens, regarde, les rames, elles sont toujours là. J'ai l'impression que nous sommes entourés d'Indiens. Retournons au camp, c'est plus sûr. Et surtout, soyez prudents. Les Indiens.
Il n'est pas suffisant de prononcer une prière pour eux, Fra Carvajal. Je veux qu'on les ramène ici pour leur donner une sépulture chrétienne. Et vous avez raison, mon fils. Leur âme trouvera tellement mieux le repos en terre consacrée. C'est le moins que nous puissions faire pour ces malheureux qui ont péri si bravement. Tu ne crois pas qu'il faudrait éviter que le canon se rouille? Oui, peut-être. Vous savez très bien qui est le responsable. Si vous laissez impuni le forfait qu'il a commis, il en commettra de plus graves. Là n'est pas le problème. Nous avons bien d'autres préoccupations. Il y a des Indiens tout autour de nous. Il se peut que chaque arbre en cache un. Je ne veux pas que nous connaissions une fin aussi affreuse que les malheureux sur le radeau. Je voudrais tellement que nous soyons loin d'ici. Nous avons à faire face à encore bien des problèmes. Et ne vous tourmentez pas. Aguirre m'obéira. Je ne crois pas qu'il osera combattre l'autorité de la couronne d'Espagne. Mais nous ne sommes pas en Castille. Regarde ce que je t'ai trouvé. C'est un animal qui passe toute sa vie à dormir. Il ne sort jamais tout à fait de son sommeil. Regarde, je ne vois plus les radeaux. Les radeaux ont disparu. 8 janvier. Le fleuve est monté de 15 pieds pendant la nuit. Quand nos malheurs cesseront-ils? Des chaînes d'esclaves. Est-ce que tu t'enfuirais? Tu t'enfuirais? Hé là, un instant, c'est ma marmite. Et où allais-tu avec ma marmite? Non. Celui-là est trop lourd, à mon avis. Non, celui-là fera l'affaire. Je ne suis pas fou. Je n'ai pas l'intention de m'enfoncer plus loin dans cette jungle. Qui a pris cela? C'est nous, monsieur. Pourquoi l'avez-vous pris? Parce que nous avons besoin de fer. Que faites-vous avec ce tronc d'arbre?
Rien ne l'emmenant de l'endroit où nous l'avons pris. Et nous la portons au camp. Qui vous en a donné l'ordre? Tout le monde ramasse du bois. Et du fer. Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi parlez-vous? Qui a donné l'ordre de ramasser du bois et du fer? Qu'y a-t-il? Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous le savez, Inès. Ne posez pas cette question. C'est à cause de votre père. J'espère seulement que ça finira bien. En ma qualité de chef de cette expédition, je vous ai demandé de vous rassembler ici pour vous dire que j'ai pris la décision de vous ramener vers notre point de départ. Je ne retourne jamais en arrière. Nous allons entreprendre ce voyage à pied, car les courants du fleuve sont trop dangereux. Nous devons absolument y parvenir dans 2 semaines, selon les directives de Pizarro. Et les Indiens? Ce sera un suicide d'entreprendre un tel voyage. Peu importe le risque, il est de notre devoir de l'entreprendre. Nous devons rejoindre Pizarro. Nous devons oublier Pizarro. Je vous dis qu'il nous est impossible de mener à bien notre mission. Et moi, je dis que nous saurons conquérir sans Pizarro. Nous allons construire un nouveau radeau, et c'est pour cette raison que nous avons ramassé du bois et du fer. Vous n'avez pas oublié Hernando Cortés? Il était en route pour le Mexique quand il a reçu ordre de rebrousser chemin. Il a continué. Taisez-vous, Aguirre! Il a ignoré les ordres. Et il a conquis le Mexique. Aguirre, et taisez-vous! C'est pour cela qu'il est devenu riche et célèbre. Taisez-vous! Parce qu'il avait désobéi. Mettez cet homme au fer. Non! Non! Cessez de vous battre! Je suivrai Ursois. Tuez-le. Pas d'autres volontaires? Tu crois qu'il va se passer maintenant? On va peut-être trouver des remous en descendant le fleuve. Qu'importe si ces remous nous rapprochent d'Eldorado. Tu as vu le soir? Tu as remarqué comme son poing est serré? Ça veut dire qu'il y a caché quelque chose. Est-ce que tu crois qu'ils vont oser l'achever? Et toi, tu crois que tu oserais les empêcher de le faire? Thank you.
Vous êtes le seul qui puisse nous aider maintenant. Je suis persuadée qu'il tuera Ursua et Armando. Rien ne pourra l'en empêcher. Il finira ce qu'il a commencé. Vous êtes mon dernier espoir. Fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu leur dis, retournez, fils de l'homme, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille dans la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Vous savez, mon enfant, au nom de notre Seigneur, l'Église a toujours été du côté du plus fort. Je souhaite que tu te joignes à nous. Besoin d'hommes comme toi. Te laisse le temps de réfléchir. Mais ne tarde pas trop. Eh bien, messieurs, nous avons éliminé les opposants. Nous devons élire un chef. Pour moi, le choix est simple. Nous devons élire le plus grand et le plus fort de nos gentilshommes. Quoi, moi? Oui, vous. Je vous laisse la parole. Je propose que Don Guzman devienne notre nouveau chef. Qui est en faveur de Don Guzman? Je propose que Don Lope de Aguirre conserve son rang de second. Qui est en faveur de Don Lope de Aguirre? Mon peuple a connu des tremblements de terre, des épidémies, des inondations. Mais ce que les Espagnols ont fait est pire encore. Ce sont eux qui m'ont baptisé du nom de Balthazar, mais je m'appelle Rino Rimac. C'est ton vrai nom? Oui, ça veut dire celui qui parle. J'étais prince dans mon pays et on s'adressait à moi en baissant les yeux. Personne n'avait le droit de me regarder dans les yeux, mais mon peuple est enchaîné, comme je le suis. Maintenant, c'est moi qui baisse les yeux. Je suis un esclave comme mon peuple. Je n'ai que le droit de vous regarder lutter entre vous. Mon cœur est plein de pitié parce que je sais qu'il n'y a pas d'issue et je sais que jamais je n'en tournerai chez moi.
Maintenant que nous sommes mutinés, nous devons nous mettre en règle avec la loi. Lisez ce document. Roi de Castille, par la grâce de Dieu, couronné par notre Sainte Mère l'Église romaine, sous le nom de Philippe II de Castille, jusqu'au septième jour de l'an 1561, après la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, et depuis que plus de 300 lieues nous séparent de ton très fidèle et dévoué serviteur Consalvo Pizarro, nous sommes convaincus de t'avoir servi avec l'obéissance et le dévouement que nous croyons devoir à notre chef. La fatalité, la main de Dieu et notre labeur incessant nous ont conduits à descendre le fleuve nommé Walaga par les indigènes, en quête d'un nouveau pays de l'or. Nous souhaitons mettre fin aux tourments que le destin nous a infligés. Nous voulons forger l'histoire et nous refusons désormais le partage de tout fruit de cette terre. Nous nous rebellerons jusqu'à la mort. Nous en faisons le serment solennel. Si nous trahissons ce serment, que nos mains soient coupées et que nos langues se dessèchent, la maison des Habsbourg se voit privée de ses droits. Quant à toi, Philippe II, roi de Castille, tu es détrôné. Et par les pouvoirs que nous nous sommes conférés, tu n'es plus roi de Castille. À ta place, nous proclamons le très noble et très valeureux chevalier de Séville, Don Fernando de Guzman, empereur d'El Dorado. Va, fuis, disparais à jamais, et puisse Dieu protéger ton âme. La fortune favorise les braves et n'a que mépris pour les pleutres. Arrachons nos liens avec l'Espagne et couronnons Don Fernando de Guzman, empereur d'El Dorado. Quoi ? Tu oses appeler ça un trône ? Un trône n'est jamais rien de plus que quelques planches et un peu de velours, Majesté. Il s'est traîné jusqu'ici. Regarde, c'est pas une flèche qui l'a tué, c'est un coup de feu. Je me demande qui a aidé Armando à fuir et qui l'a tué. 10 janvier. Armando s'est échappé de sa prison. L'homme qui avait pris son tour de garde à 3 heures a été assassiné. Sera précédé d'un procès. Alors qu'on le juge et qu'on le tue ensuite. Mais il faut que le procès soit public. Il a encore des sympathisants. Perucho, à la barre des témoins. Es-tu parvenu à tirer quelque chose d'Ursoa? Rien. 3 hommes n'ont pas réussi à ouvrir son poing.
Il y a caché certainement quelque chose. La seule façon de le savoir serait de lui trancher la main. Et il est demeuré muet. Il n'a émis que des bruits incompréhensibles. Mais la nuit dernière, il a reçu des visiteurs. Si je peux donner mon avis, ça m'a l'air d'une conspiration. Balthazar demande à l'Indien s'il a reçu de l'argent d'Ursua. Il dit, c'est vrai. Cela devait servir à payer les rameurs. Le témoin suivant. Okello, est-il vrai que tu étais toi aussi payé par Ursua? J'appartenais à Pizarro, j'étais son esclave. Et ensuite, il m'a cédé à cette expédition. Il me l'a expliqué, en disant que pour un Indien qui tremble devant un cheval, la vie d'un homme noir serait encore plus terrifiante. Voilà. C'est vrai qu'Ursua m'a donné de l'argent, mais je ne sais pas pourquoi. L'accusé a-t-il quelque chose à dire pour sa défense? Je demande la parole. En Espagne, j'avais de nombreux serviteurs. Et je payais leurs services. Et nous considérons qu'il est juste de payer nos serviteurs ici aussi. Même si ce sont des Indiens. Et l'avenir prouvera que c'est Ursua qui avait raison. Nous savons que vous êtes dans un grand trouble, mon enfant, et nous vous en excusons. Après avoir entendu les témoignages, je déclare l'accusé coupable de trahison. J'ai ainsi le pénible devoir, en tant que président de ce premier tribunal de Sa Majesté Don Fernando, de prononcer la condamnation de Pedro de Ursua à la mort par pendaison. Je confirme le verdict. Mais ce jour étant le jour anniversaire du départ du dernier mort d'Espagne, j'use de mon droit de grâce. Don Pedro aura la vie sauve. Cependant, il renoncera à tous ses droits de citoyen d'Eldorado. Quant à ses biens, nous les répartirons de façon équitable entre notre mère l'Église et mes valeureux soldats. Ce matin, nous sommes partis sur notre nouveau radeau. Ursua est toujours vivant, mais il refuse de parler. Regardez, la fumée. À midi, nous avons aperçu un grand feu. Il doit y avoir des Indiens. Je ne vois aucun signe de vie. Préparez vos mousquets. Soyons sur nos gardes, c'est peut-être un piège. Comme nous craignions une embuscade, nous avons déshabillé l'esclave noir pour effrayer les Indiens. Akelo, montre-toi. Allez, allons-y, allez, à l'attaque. Allez, 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 reste devant. Le noir reste devant. Allez, avance. Des fruits. Ne touchez pas ces fruits.
chercher les Indiens. J'ai dit chercher les Indiens. La viande, elle rattrape. Je vais la voir. Ça y est, là. Viens, Goudo. Viens, Goudo. Voie vers gauche. D'accord. Regarde, c'est un loup, ça. Tiens, regarde ça. Et ça? Oh, mon Dieu, des cannibales. Vite, ramène les hommes au radeau. La découverte de l'existence de cannibales nous a tellement épouvantés que nous avons quitté en toute hâte cet horrible endroit. Les montagnes sont derrière nous. La brique aguerre et nous a fait construire nous protège contre les cruels rayons du soleil. Le courant est si lent que nous avons l'impression de ne pas avancer. Aguirre, je sais très bien le sort que vous réservez à Ursua. Je sais ce qu'il attend. Et Dieu vous punira de ce forfait. Enlève-toi de là, toi! Ma chérie. On n'entend rien.
trouves ce silence inquiétant? Oui, c'est trop calme. Chut! Laissez-moi écouter. Une flèche aussi courte. Empoisonnée. Elle devait appartenir à un nain. Feu! Faites du bruit, mon Dieu! Sur quoi devons-nous tirer? J'ai dit de tirer, imbécile! Regardez, on dirait un canoë. Où? Là-bas, sous les arbres. Il se dirige vers nous. Restons au milieu du fleuve. C'est peut-être un piège. Le 24 janvier. Pour la première fois, nous avons vu deux Indiens. Ils nous ont paru amicaux. Regardez. Du poisson frais. Je suis là.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est un Yawa. On a prédit à son peuple que, un jour, ils verraient arriver dans leur pays des hommes qui viendraient de très loin et qu'ils appellent les fils du soleil et qui fabriqueraient des nuages et du tonnerre qu'ils feraient sortir de grands tubes. Il y a longtemps qu'ils attendent les fils du soleil, parce qu'ici, sur ce fleuve, la création de Dieu n'est pas achevée. Regardez, c'est de l'or. Où a-t-il trouvé cela? Où as-tu trouvé cela? D'où est-ce que ça vient? De l'or. De l'or. Balthazar, où a-t-il trouvé ça? Demande-lui où se trouve Eldorado. Demande-lui d'où vient cet or. Qu'est-ce qu'il a dit? Balthazar, demande à ce sauvage s'il a entendu parler de Jésus-Christ le Rédempteur et s'il sait que notre mission ici est de sauver leurs âmes. Regarde, voilà la Bible. C'est en elle qu'est contenue la parole de Dieu. La parole que nous vous apportons pour éclairer les ténèbres où vous êtes plongés. Est-ce qu'il a bien compris que c'est la parole de Dieu qui est enfermée dans ce livre? Prends-le dans tes mains, mon fils. Il dit, le livre ne parle pas. C'est un blasphème! Tire-le! Notre tâche sera ardue. Ces sauvages ne se laissent pas convaincre facilement. Nomine patris et fini. Ce ne sera plus long. Eldorado n'est plus loin. J'en suis convaincu. Alors plus de vieux canons rouillés. Nous tirerons avec des boulets en or sur nos adversaires. Et toi, Okello, tu me serviras mes festins sur de grands plats en or. Et toutes nos vies seront changées par cette découverte. Nous aurons des fiefs, des provinces et aussi des femmes. Et on m'accordera peut-être la liberté. Nous ne devons pas oublier l'aspect le plus important de cette mission. Apporter la rédemption à ces sauvages. Je vois assez bien avec une grande croix en or. Une croix en or incrustée de pierres précieuses pour remplacer la pauvre croix d'argent que tu as perdue. Les terres que nous voyons à gauche et tout le territoire qui s'étend à droite, désormais, nous appartiennent. Je déclare solennellement prendre aujourd'hui possession de tout ce pays. Nous avons déjà un territoire 6 fois plus grand que l'Espagne. Et tant que nous avançons sur le fleuve, il deviendra plus grand encore. Je ne vois dans cette région aucun terrain assez solide pour supporter votre poids. Thank you.
sel. On peut réussir à trouver du poisson et des fruits. Mais voilà des semaines que nous n'avons plus de sel. Et il y a pire encore. Nos rations quotidiennes de blé sont que de quelques graines par personne. Huit. Et dix. Deux. Quatre. Le cheval s'est détaché. Regarde-le. Attention. Attaché. Allez, allez. Ça y est. Je le tiens. Allez, allez. Alors, doucement. Allez, aidez-moi, quoi. Il ne tardera pas à mourir de faim. Je me souviens d'avoir vu au Mexique toute une armée d'Indiens s'enfuir à toutes jambes à la vue d'un cheval. Alors que nous aurions pu nous nourrir pendant une semaine sur cette viande. Après la mort de l'empereur, le destin d'Ursua a été tracé. Le lendemain matin, des soldats l'ont emmené et nous ne l'avons jamais revu. Thank you.
Qu'est-ce que ces cris signifient? Ils disent viande, viande, voilà de la viande fraîche qui passe. Elle a disparu. Essayons de retourner par la terre. On est des cibles trop faciles sur ce radeau. Et qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Deux hommes de plus ou de moins, pour lui, ça change rien. Mais tu crois qu'on a une chance? T'inquiète pas. Tu crois que si on se met en route maintenant, on pourra rejoindre Pizarro à temps? On se débrouillera. De toute façon, l'expédition est condamnée. Nous avons suivi les traces de ses pas sur une demi-lieue dans la jungle. Et puis nous les avons perdus. Un des hommes a été saisi de panique à cause du silence, le genre de silence qui s'établit juste avant que quelqu'un soit tué. Alors nous sommes revenus. Je te le dirai. Ce qui est sûr, c'est que je ne fais plus confiance à Aguirre.
cet homme a une tête de plus que moi. Cela peut changer. La, 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 la. La, 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 la. Je vais t'expliquer. J'ai compté toutes les boucles du fleuve. Regarde, j'ai dessiné une carte dans le sable. Il te faudra une journée pour chaque courbe. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. C'est moi, le traître. Il n'y en aura pas d'autre. Je veux que l'on sache que quiconque penserait à déserter sera coupé par moi en 98 morceaux. Et nous piétinerons tous ces morceaux jusqu'à ce que ce qu'il en reste ne puisse servir qu'à peindre des murs. Quiconque prendra un grain de blé ou une goutte d'eau de plus que sa ration devra pourrir dans une prison pendant 155 années. Dis-moi, Aguirre, je veux que les oiseaux tombent des arbres de la forêt. Je vous dis que les oiseaux tomberont des arbres de la forêt. Je suis la colère de Dieu. On me regardera partout où je passerai et on tremblera. Quiconque me suivra le long du fleuve aura des richesses immenses. Éloignez-vous des arbres, imbécile! Retournez vers le milieu du fleuve! Attention aux arbres! Attention, toi aussi! Éloignez-vous du rivage! Aidez-nous à dresser le poil! Je croyais que ça ferait plus mal que ça. Les Indiens! Les Indiens! Qu'est-ce que vous attendez pour tirer, imbécile? Mais je ne suis pas payé pour aller me faire tuer! Février. Le moral des hommes est très bas. J'en ai parlé avec Aguirre. Les choses prennent un tour que nous n'avons pas prévu.
Nous n'avons connu que la faim, la peur, la mort. Chaque jour, nous perdons des hommes, mais jamais nous ne voyons l'adversaire. Même Eldorado, jusqu'à maintenant, ne semble être qu'une illusion. La conquête du Mexique n'était pas une illusion. Même si nous renonçons maintenant, d'autres viendront après nous. Et ils réussiront. Et nous demeurerons à jamais inconnus. Même si sur cette terre on ne trouve que des arbres et de l'eau, ils s'en empareront. Et il sera vidé de sa substance par ceux qui viendront après nous. Ces hommes pensent que la richesse, c'est l'or. C'est plus. C'est le pouvoir, c'est la gloire. Je n'ai que mépris pour eux. Je suis certain qu'Aguirre nous entraîne à la mort. Je ne sais pas si c'est délibéré de sa part. Nous ne trouvons même pas où nous amarrer, car les crues ont inondé la jungle sur des lieux et des lieux. De février. Parce que tous les hommes sont si faibles et si atteints par la fièvre qu'ils ne tiennent plus sur leurs jambes. Le soldat Justo Gonzalez a bu mon encre qu'il avait prise pour mon remède. Je ne peux plus écrire. Nous dérivons en cercle. Je vois un bateau avec des grandes voiles au sommet d'un arbre. À l'avant du bateau, il y a un canoë. Ce bateau n'est qu'un mirage. Il n'y a pas de crue assez forte pour l'entraîner là-haut. Nous sommes tous en proie à la fièvre. Ce n'est que ton imagination. J'ai entendu que ça arrive quand on a été soumis à une trop grande tension. Tais-toi, moine. Ce bateau est réel et nous allons le décrocher et le réparer. Il nous amènera jusqu'à l'Atlantique. Non, Lope de Aguirre. Cette fois, je n'irai pas avec toi. Nous sommes fatigués et nous avons faim. Ce n'est pas un bateau. Ce n'est pas un arbre. Ce n'est pas une flèche. Nous croyons voir des flèches pour la seule raison que nous en avons peur. Ce sont de vraies flèches! Attention, je vais tirer!
N'oublie pas tes prières. De crainte que la fin de Dieu ne soit laide. Tu es...